d'ingénierie et management des systèmes industriels. Nous sommes amenés à réaliser de nombreux projets par groupe de 3, 4 ou 5 étudiants. Les projets en IMSI sont comparables à des projets industriels où il faut travailler en équipe. De voir avec les clients leurs attentes. L'aspect managérial qui est important. On nous donne des exigences, on signe des cahiers des charges, on a des jalons, on a des revues de projets, des revues techniques. C'est également des compétences techniques pour pouvoir synchroniser tout ça. Réorganiser ou inventer l'implantation d'un atelier, d'une usine entière. Donc on va regarder selon le flux de production comment placer les machines au mieux. Que ça soit automatisation, robotique, simulation de flux. À l'aide de logiciels de CAO, FAO. De la gestion logistique dans les entreprises, des transports, de tout le côté humain. On fait de l'ergonomie et de la conception des postes de travail. On met l'homme au milieu de son espace de travail, on regarde l'accessibilité, les contraintes, est-ce qu'il va pouvoir attraper tous les objets, tous les outils, est-ce qu'il va se faire mal. Beaucoup d'amélioration continue, mais aussi de gestion de production, donc pour avoir un regard optimisation des coûts. Ça permet vraiment de se mettre dans la situation industrielle. Être plus productif, gagner du temps. Afin d'atteindre des objectifs de performance. On apprend aussi à industrialiser un produit. Au début de ma deuxième année, j'ai effectué mon premier stage au sein de la SNCF. J'étais chez Hermès Maroquinerie à Seloncourt, chez Rolls-Royce Allemagne, chez AGCO à Beauvais, c'est une usine qui fabrique des tracteurs. Au sein d'entreprise Danone. Dans une société qui s'appelle Armor à Nantes. En Suisse, à la montre Hermès. J'ai effectué le mien en Afrique du Sud. À l'UTCBM, ce qui est bien, c'est qu'on a un an de stage en tout. Je peux voir aujourd'hui en IMSI que ce qu'on nous apprend, ça est vraiment représentatif du terrain. Se spécialiser dans notre domaine et pouvoir être opérationnel dès qu'on sort de l'école. Qu'est-ce que ça représente pour moi IMSI ?